Hello, hello! Alors, on va essayer de parler pas trop proche, mais pas trop loin du micro non plus pour que tout le monde puisse s'entendre, qu'on puisse se parler tranquillou. Et voilà. Donc, sponsorisé par les petits Kellogg's, tranquillou. Non, mais plus sérieusement, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est là pour parler football, on est là pour parler Ligue 1, pour parler Mercato, pour parler un peu tout. Et le téléphone commence à tomber dès le début du live. C'est magnifique, ça commence bien. De toute façon, on croyait qu'il n'y avait plus de batterie, mais autant pour moi, c'est pas. Enfin, donc, première bonne nouvelle. On remet le maillot, forcément, on est content. El Lofuzzi. Ben, bien sûr, en Ligue des Champions, il y a plein de choses à dire sur la saison globale de l'OM, il y a plein de choses à dire sur la Ligue 1, il y a plein de choses à dire sur Mbappé. Il y a plein de choses à dire sur le Real Madrid, il y a plein de choses à dire sur la finale de la Ligue des Champions, il y a plein de choses à dire sur la finale de la Conference League auquel on ne jouera pas parce que du coup on s'est fait péter par Rotterdam. Enfin voilà. On va faire un bilan global, on va parler un peu football ce soir, on va parler un peu tout, bah, ce soir ou ce matin, parce que vu l'heure qu'il est, voilà, d'ailleurs j'ai pas lancé encore mon chrono pour savoir exactement combien de temps. Je vais stream. On va essayer d'être assez bref, on va essayer d'être assez concis. Alors. Première chose, tu te dis, je suis entièrement d'accord avec toi. J'imagine, j'ai vu la deuxième partie du match parce que ce soir j'étais entre guillemets en famille, donc j'ai pas vu la première partie du match. J'ai regardé la télé, donc j'ai vu l'ambiance qui a été effectivement incroyable. Merci aussi aux Lensois, parce que ça c'est surtout ça qu'il faut aussi noter pour cette soirée magnifique. C'est que les Lensois ont fait le travail. Ils ont été chercher Monaco parce que du coup, moi, je me suis dit à 2-1, c'est compliqué. On va finir troisième. On va devoir jouer les tours préliminaires. Et à la fin, franchement, Monaco, bah, du coup, qui s'est fait manger par les Lensois, du coup, à Bollaert. Donc, tant mieux. Comme l'avait dit, s'il dit pas de bêtises, Seko Fofana. Ils voulaient clairement aller jouer l'Europe, malheureusement bah, ils sont à deux doigts d'y aller. Mais bah, manger sur le fil par les Niçois, mais franchement, en tout cas, ils sont battus comme des vaillants corps et âme et ils ont fait leur travail. Donc, première chose à noter, c'est ça. Ensuite, bah, du coup, retour en C1. Donc, ça nous rappelle une petite époque qui n'était pas très glorieuse. Hein. Mais bon, maintenant. On est très très impatient de voir le début de la saison, comment que ça va se passer. Déjà au niveau recrutement, mercato, pareil, déjà la vente du club, faut qu'on en parle. Est-ce que le club va être vendu? Bah oui, après, je veux dire, il a le calibre au niveau du joueur en propre, enfin, à proprement parler pour potentiellement l'être. Après, je pense que pour la Ligue des Champions et tout ça, c'est pas vers ce genre de joueur qu'il faut qu'on aille. Enfin, faut qu'on se tourne. Mais le truc, ça, c'est un autre sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le budget qu'on a, qui est faible, bah, ou pas même très très limité, on va chercher qui? C'est une très fortement bonne question. On va chercher qui? Parce que pour l'instant, bah pour revenir depuis maintenant pas mal de matchs au niveau de l'OM, hein, on peut le dire, les choix du coach sont catastrophiques. Milik, tu le laisses sur le banc alors que c'est ton meilleur neuf. Mandanda, c'est pareil, pour moi c'est probablement l'un des deux meilleurs gardiens qu'on a par rapport à Paul Lopez. Au final, il a toujours privilégié Paul Lopez. C'est un choix de coach, on se respecte, ça discute. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ses choix tactiques. Le truc, c'est que visiblement le coach est parti pour rester, donc au final il faut faire un mercato qui lui convient parce que voilà. Le truc, c'est que bah, malheureusement, tu as des joueurs comme Lirola qui étaient très bons entre guillemets l'année dernière, voire même l'année d'avant, et qui du coup, ne jouant pas et n'ayant pas forcément la confiance du coach, sont moins bons. Après c'est pareil, je veux dire, il y a certains supporters marseillais qui bah, crachent sur le dos de certains joueurs, je peux le comprendre, mais moi je suis pas forcément d'accord avec eux. Alors on va pas être vendu. Je sais pas, moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça revenait à nouveau avec assistance, on allait enfin, passer sous pavillon, entre guillemets, saoudien. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est pareil.
C'est des infos à prendre avec des pincettes, hein. De toute façon, on va vite le savoir. Le président était là ce soir, j'ai pas forcément écouté son interview. Hein. Donc, je veux dire, je pense que, d'après ce que j'ai entendu, il était quand même relativement content. Il fait une fin de saison horrible, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu joues pas, qu'est-ce que tu veux? C'est pas en n'étant pas régulier, en ne jouant pas, que tu peux, entre guillemets, montrer tes propres qualités. Je veux dire, à chaque fois qu'il a été titulaire, qu'on l'a aligné régulièrement, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, il a été décisif. Là, il est un peu moins bien. Et maintenant tout le monde va lui taper dessus, c'est la faute du coach. Je veux dire, je suis sur un groupe Discord, entre guillemets, avec que des supporters marseillais, et très sincèrement, ils partagent plutôt mon avis, donc je suis pas forcément d'accord avec toi. Hein. Après, tu as le droit de penser aussi ce que tu veux, hein. On est là pour en parler, on est libre, c'est une émission, on peut avoir un échange, que ce soit entre supporters marseillais ou même entre supporters de foot en général, mais voilà quoi. Franchement... Moi, pour moi, Milik, c'est au moins le meilleur attaquant qu'on peut avoir. Bakambu n'est pas non plus mauvais, mais voilà. Pareil, Bamba Dieng, on peut parler de sa saison. Hein. Il n'a pas été au top toute la saison. Certes, il a marqué des buts décisifs. Il nous a sauvé aussi certains matchs. Gerson, qui fait une très très grosse... comment dire... Enfin, un très gros retour, parce qu'il a été assez absent au début de saison et... Les années précédentes, c'était un flop. Enfin, on va pas... Pour l'instant, on finit un petit peu le point. Ouais, mais après, on parle de PSG, si tu veux. Mais... Ce qui est sûr, c'est que maintenant, à voir la réaction du Real Madrid. Mais du coup, voilà. Après, au niveau des Marseillais, bah voilà, il n'y a pas de finition, malheureusement. T'as beau avoir un mec qui est rapide, qui est bon, qui est comme ça, je veux dire, moi, je préfère quand même Bakambu à Bamba Dieng. Hein. Banyang, il est encore assez jeune pour moi et franchement il manque de quelque chose et c'est pas avec un mec comme lui que tu vas pouvoir te permettre de gagner des matchs de poule en Ligue des Champions. Il nous faut des mecs qui ont l'expérience du niveau, qui sont là pour casser les culs et pas qu'on refasse comme il y a 2-3 ans là avec 0 points en phase de poule. T'avais City, Porto, puis je sais plus qui là, l'Olympiaco je crois, et tu te fais sortir. Enfin, c'est catastrophique. Donc du coup, pour parler de Mbappé, après c'est son choix. Je veux dire, je n'ai pas compris. Moi, à un moment donné, ça fait déjà 2 ans qu'ils en parlent. Ouais, pas au Real, machin. Au final, là, t'entends comme quoi il prolonge au PSG. Tu peux te poser des questions. Hein. Franchement, tu te dis, c'est quoi le délire? Le mec, en fait, il a juste fait monter les enchères. Alors maintenant, j'espère que le Real, entre guillemets, aura les couilles de montrer que c'est un grand club et de plus jamais vouloir lui proposer un contrat, même dans les 2-3 prochaines saisons qui arrivent, quand il sera nouveau en fin de contrat avec le PSG. Après, encore une fois, ça montre que le PSG, c'est juste entre guillemets un club d'argent et c'est tout, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu dis que le mec, il signe là-bas pourquoi? Puis je pense qu'il s'est aussi bien fait engrainer par sa famille derrière. Après, c'est son choix, c'est comme tu dis, c'est son choix d'argent. Malheureusement, bah, ce qu'il faudra se dire, c'est que ce sera qu'une équipe, entre guillemets, avec les pétrodollars, et puis c'est tout. Après, je dis pas, hein, si on passe saoudien, on peut potentiellement les concurrencer. Bon, après, certes, on perdra pas l'âme de notre club et de l'autre, enfin, l'équipe, entre guillemets, et l'état d'esprit marseillais qui est, entre guillemets, le foot populaire. Mais voilà, après, que dire de plus sur le PSG et tout ça? Bah, voilà, ils ont été champions encore une fois, ils ont gagné une nouvelle fois la Ligue 1, ça a fait la fête comme pas possible, entre guillemets, d'après ce que j'ai vu sur Canal tout à l'heure. Enfin voilà, après, encore une fois, nous, on arrache la deuxième place avec le travail qu'on a fait contre les Strasbourgeois. Et franchement, Dieu sait que c'était pas gagné, parce que Strasbourg est une équipe qui nous donne énormément de fil à retordre chaque saison. Y compris d'autres petits clubs de Ligue 1, mais ça c'est autre chose. Ouais... Après, je veux dire que tu vois, quand tu es un homme de parole et que tu donnes ton accord à un club, si au final c'est pour revenir dessus et au final faire monter les enchères et re-signer dans ton club, enfin c'est un petit peu con. Je veux dire, tu prends un peu tes supporters actuels pour des putes et les supporters de ton futur nouveau club qui du coup ne le sera pas pour des putes aussi, quoi. Mais bon, après, chacun a sa propre personnalité, chacun a ses propres valeurs. Visiblement, Mbappé en a pas. Tout le monde disait que c'était un jeune homme mature et tout ça. Enfin, finalement, moi, je veux dire, ça restera une noisette et puis c'est tout, quoi. Il aurait eu un choix raisonné, réfléchi en signant au Real. Il l'a pas fait. Après, je veux dire, voilà, il va se faire ça. Enfin, il va se faire un peu insulter par plein de gens, son état d'esprit, sa mentalité. Mais bon,
Après, à lui d'assumer maintenant son choix, hein. C'est comme ça. Club de pute, ouais. J'irai pas jusque-là, mais je suis plutôt d'accord dans le fond de la pensée. Donc, pour en revenir un petit peu, parce que c'est vrai que là, au final, on parle, on parle, on parle. On va passer maintenant à la live scène. Il faut que je mette mon code. Voilà. Le classement de Ligue 1. On va déjà parler vite fait des matchs de soir. Donc, principalement, bah, Angers-Montpellier, voilà, on va pas épiloguer sur ça. Ça se termine en 2-0. C'est deux clubs qui finissent dans le ventre mou de la Ligue 1, je crois, si pas de bêtises. Y compris. Apparemment, ils voulaient pas aller au Real. Bah, dans ce cas-là, c'est quoi toutes les infos qu'on a eues? Je pense pas que ce soit des fake news. Je sais pas. Après, chaque année, c'est la même, comme tu dis, c'est exactement ça. À un moment donné, on a un peu marre, tu vois, c'est un feuilleton, c'est pire qu'une telenovela. Franchement, on n'a pas que ça à branler, quoi. Mais du coup, pour revenir sur les matchs de soir, les Lyonnais, c'est pareil, c'est des putes. On s'en fout. Brest-Bordeaux. Voilà, Bordeaux qui descend, entre guillemets, malgré la victoire contre Brest. En Ligue 2, c'est acté, c'est plié, c'est au revoir. Emballé, c'est pesé. Donc comme je disais, Angers-Montpellier 2-0 pour Angers, on s'en fout un petit peu. Bah du coup, Lens-Monaco, comme je dis, le 2-2, qui franchement rapproche les Lensois de l'Europe, mais malheureusement, c'était le dernier match, la dernière journée, donc bah ils pourront pas. Grâce à ça, bah, Monaco qui passe 3e et on repasse devant eux, grâce à notre petite victoire contre Strasbourg 4-0. Pareil, Lorient 3, un bon nul qui intéresse personne. Lille-Rennes, donc du coup le nul pareil qui du coup fait que les Rennais obtiennent une bonne quatrième place pour aller en Ligue Europa, si je dis pas de bêtises. Nantes-Saint-Etienne, Nantes après la victoire en Coupe de France obtient qu'un nul malheureusement contre Saint-Etienne, j'aurais bien voulu quand même parce que petit maillot messin derrière, que Metz reste en Ligue 1 donc puisse potentiellement jouer les barrages contre Auxerre qui a gagné contre Sochaux et contre le Paris FC, enfin. Pas Auxerre qui a gagné contre le Paris FC, mais Sochaux qui avait battu le Paris FC, je crois. Et du coup, Auxerre qui a battu Sochaux ensuite. Donc, du coup, bah, ce sera malheureusement une finale de barrage Saint-Étienne contre Auxerre. Hein. Et du coup, bah, après les 5-0 pris contre Paris au Parc des Princes ce soir, bah, les Messins descendent en Ligue 2. Enfin, on peut pas dire, je pense que c'est une des pires saisons pour parler un peu de la région. Metz qui descend en Ligue 2, Nancy qui descend en National. Sedan qui est dans le ventre mou du national, et les Strasbourgeois qui du coup sont à la porte de l'Europe mais qui ne se qualifieront pas non plus pour une quelconque Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Conference League. Donc bon, un petit peu de déçu pour le foot local, les foot régionales, mais bon, on fait avec. On est quand même content parce qu'en soi on reste supporter marseillais, donc on ne va pas bouder notre plaisir à avoir gagné la deuxième place alors que c'était pas forcément fait. Hein. On était plutôt parti pour être troisième, voire même peut-être quatrième en fonction des matchs de soir. À la fin, on a quand même fait le travail, donc d'un côté, tant mieux, parce que, comme je disais, Strasbourg, c'est pas une équipe de peintres, et puis, en général, on peut regarder les confrontations précédentes contre Strasbourg, en général, on l'emporte de très très peu, ou c'est pas forcément des matchs qu'on gagne, donc voilà, quoi. Et du coup, Nice qui va quand même battre Reims d'un fil, du coup, au niveau du classement, ça se voit comme ça. Donc, ouais, très content, 71 points, deuxième place. Ligue des champions. Maintenant, on attend avec impatience les maillots officiels de la saison prochaine, surtout le maillot qu'on aura en Ligue des champions. Ça, on l'attend. On attend le recrutement aussi, voir comment que ça va se passer. Parce que là, Futi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que si on passe pas sous pavillon saoudien, que le club n'est pas vendu, qu'est-ce qu'on va faire en Ligue des champions l'année prochaine? On va encore se taper 0 points, on va se prendre des fessées, dans quel pool on va être? Enfin, on peut commencer à se poser tout un tas de questions, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement. Mais oui, bah Gerson, on peut le remercier aussi parce que comme je dis, hein, que ce soit en Ligue Europa Conférence ou même en Ligue 1, il a montré un tout autre visage sur la deuxième partie de saison et franchement, bah Saliba, j'aime bien cette petite phrase. Saliba, il adore passer ses petits moments au Black Angus, entre guillemets à Aigues, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vois entre guillemets ça sur Insta, mais je veux dire Saliba, pour où est-ce qu'il reste Bah, du moins, l'envie du joueur est là. Il a envie de rester. Après, le truc, c'est qu'il est devenu très très chaud. Et je pense que qu'Arsenal va probablement le récupérer. Déjà, Guendouzi, c'est bon à dire. C'est que, du coup, Guendouzi est maintenant officiellement marseillais et restera avec nous en Ligue des Champions.
un des gars qui se bat comme un guerrier sur le terrain. Hein. Donc franchement, c'est aussi ce qui nous manquait. Mais j'aimerais bien que Saliba reste avec nous. Après ça, c'est les dirigeants qui vont travailler en off maintenant, puis on verra bien. Mais ce serait bien de signer des mecs comme ça. Surtout quand tu vois la compo. Moi après, il y a des joueurs que j'aime bien, d'autres que j'aime un peu moins. Quel est Kalitaka à voir s'il va être transféré. On sait que Camara part à l'Atlético, normalement, s'il dit pas de bêtises. Pape Gay, jeune joueur pour moi qui pourrait être un très bon remplaçant, mais pas plus, en fonction du renforcement qu'on aurait. Rongier, oui, pas en défenseur, en milieu défensif ou en milieu axial, moi j'aime bien, je valide, comme il était à Nantes, sa place de base. Donc je suis pas pour entre guillemets jouer, enfin voir jouer de Rongier sur un côté latéral, très clairement. Avec option d'achat, bah écoute, si jamais Arsenal est d'accord, moi ça me va, hein. Franchement, je signe tout de suite. Hein. De toute façon, aujourd'hui, en tant que défenseur central, tu vas aller chercher qui? Quand t'as pas un rond, il y a Wesley Fofana, l'ancien pareil, Stéphanois, qui jouait à l'époque, je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil en Ligue 1 avec Saliba. Et franchement, ça ferait une très très bonne paire. En vrai, ce qui va nous faire mal quand même, c'est le départ de Camara. Ça, franchement, on perd un bon joueur. Mais bon, malheureusement, il faut faire entrer des sous. Bah, c'est comme ça. Kalitakar, ce serait bien qu'il puisse partir aussi. Saliba, hein, comme je le dis, je le répète, je persiste sur ça. Pour moi, c'est pas un joueur du niveau de notre club. Après. Sampaoli l'aime bien, il le fait jouer régulièrement. Il est pas mal titulaire. Enfin voilà, mais. Pareil, Under, normalement, il devrait rester marseillais si tout va bien. Ça m'étonnerait qu'il y ait un transfert quelque part qui. Voilà, un club vienne nous prendre, mais on sait jamais. Le cas Milik, ça, c'est surtout le cas qui va être intéressant à regarder. Parce que, comme je dis, là, Milik voulait pas forcément se barrer. Mais bon, si jamais Sampaoli reste coach, c'est probable que Milik se taille. Alors, je sais plus s'il avait été acheté de la Juve ou pas, ou s'il était entre guillemets encore en prêt avec option d'achat obligatoire, mais à voir. Non, non, Camara, il reste pas. Hein. Je sais plus les sources exactes, mais Camara devait partir à l'Atlético. Après, de toute façon, il avait d'autres potentiels clubs pour y aller, et il était en fin de contrat. Contrairement à nous, je pense que voilà, Mbappé, le PSG a réussi à le convaincre avec les millions de rester, mais nous, on ne pourra pas convaincre Camara de rester. Je pense qu'il a besoin de voir autre chose. Malheureusement, c'est quand même dommage parce que c'est un petit minot formé au club et en plus de ça, je pense que c'est un joueur qui aurait pu entre guillemets encore faire le taf quelques saisons quand même. Malheureusement, c'est comme ça. Faut faire avec. Après avoir, Kolasinac, moi j'aime bien. Pas forcément jouer tous les matchs, mais varier entre titulaire et remplaçant, pour moi ça peut être un bon couteau. Pirola, bah. Ce serait bien qu'il ait un retour en grâce parce que c'est vrai que bah pareil, hein, le fait de pas jouer régulièrement, il est un peu comme Milik en dents de scie, et franchement, il n'a pas fait une très grosse saison brillante, hein, qu'on se le dise. Mais c'est un joueur que j'aime bien, donc après, quand il a son prime, ça peut être un très très bon joueur en tant que latéral. Paul Lopez, bah, il va falloir de la concurrence parce que Mandanda, il est plutôt sur le déclin, même s'il fait encore des bonnes prestations, des bonnes performances et tout, mais il va nous falloir un autre gardien, hein, parce que là, il n'y a pas trop de concurrence, hein, franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Luis Enrique, il continue, on va dire, sa progression. Moi, franchement, je préfère largement. Pareil, Payet, tout le monde va le dire, ouais, il fait une grosse saison, machin truc, on est deuxième grâce à lui. Ouais, les gars. Commence aussi à devenir vieillissant, il est décisif sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu, c'est plus forcément ça. Hein. Physiquement, c'est à peu près la même, donc. Voilà, après, le truc, c'est que quand tu regardes le banc, t'as pas 10 000 gars, quoi. T'as Bakambu, t'as Kolasinac, t'as Lirola, t'as Lopez, t'as Luis Enrique. Et pour moi, c'est tout. Hein. Le reste, en soi, les autres, c'est les jeunes qui, entre guillemets, viennent des U21 et du centre de formation, mais ça reste trop light pour clairement s'imposer en Ligue 1. Et puis pour au-dessus, n'en parlons même pas, hein, que ce soit en Coupe de France, donc Ligue des Champions. Franchement, non, non, non. Bah pareil, De La Fuente, pour moi, c'est un bon joueur, mais pareil, un peu comme tu disais par rapport à Luis Enrique, c'est aussi un bon joueur qui a été chopé au Barça, mais bon, trop blessé, enfin. Et malheureusement, ça reste que. Enfin, ça arrive pas trop à s'imposer, quoi. Donc ça, c'est un petit bémol.
Bah, les Hardy, tant que remplaçant, ouais. T'as le temps pour faire la rotation, mais sinon. Pareil, hein, on peut pas dire que ces derniers matchs qu'il ait joués, c'était ouf, quoi. Donc bon. Et du coup, après, bah voilà, quand tu regardes la compo de base, je pense qu'il pourrait être bon. Je t'avoue que c'est pas forcément un joueur que je suis. Je le trouve un peu léger. Bah, un peu comme. Merde. Un peu comme. Comme De La Fuente. Après, De La Fuente, il est beaucoup plus dribbleur et technique. Enfin, techniquement. Après, Enrique, il est un peu plus rapide physiquement et tout. Mais. Bah, Balerdi, bon. Je crois qu'on voit pas forcément les mêmes matchs de Balerdi. Hein. Bon, après, c'est vrai que quand tu vois Kalitakar derrière, tu peux dire, ouais, Balerdi, il est encore jeune, il peut encore avoir de la progression. Mais franchement, en tant que défenseur latéral, moi, pour mettre un mec derrière, je dirais un rempart qui tient la route, tu mets pas Balerdi à côté de Saliba. Hein. Je préfère largement une défense centrale Camara avec Saliba. Que Balerdi, Kalitaka ou Balerdi, Saliba ou Balerdi, Camara ou voilà. Hein. Donc comme je dis, et puis même, je pense pas qu'on soit fait pour avoir une équipe entre guillemets à trois défenseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin, pareil, on peut parler de la compo de ce soir. Quand tu dis que tu vas jouer Strasbourg à la maison et tu joues entre guillemets en 5-4-1, tu te dis mais what the fuck quoi. Moi je prends des risques, je te mets deux défenseurs, deux devant avec un milieu défensif, et puis bim, on balance tout devant, quoi, je sais pas, mais. Après, c'est ma vision des choses et ma vision du football, entre guillemets. Football champagne, comme dirait l'autre. Après, voilà, Gueye, pareil, hein. Pour moi, ce serait un bon joueur au milieu, mais bon, pareil, pas régulier, dans le sens où quand tu veux jouer avec des champions, c'est pas le genre de niveau du. Des mecs qu'il faut quoi, c'est il nous faut quelque chose de plus fort, de plus costaud. On va dire les seuls aujourd'hui dans l'équipe vraiment qui potentiellement peuvent avoir le niveau Ligue des Champions et voilà. Hein. Je te parle pour éviter de leur prendre une poutre comme il y a 2-3 ans là. Harit, s'il a 100% de ses moyens et qu'il se focus à mort dessus, parce que du coup, quand il est un peu trop dans le dribble et tout, à vouloir grignoter, gris-griter et tout ça, non, mais franchement, sinon, Harit, c'est un bon joueur. Under, pareil, qui je pense en Ligue des Champions peut nous faire. Les Tigres veulent pailler. Je pense que tu vas pas être d'accord avec moi, mais moi je leur laisse volontiers. Hein. Ils veulent récupérer Payet, ils ont déjà Gignac et Etovin. Ils peuvent faire un bon trio de Marseillais. Après, moi franchement, je le trouve plus sur le déclin qu'autre chose. Comme je dis, physiquement, Payet c'est plus ce que c'était. Malheureusement, ouais, le mec c'était un peu comme Juninho à l'époque. Il est bon sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu, physiquement, il n'arrive plus à suivre. Donc du coup, tu fais quoi? Quand tu vois que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide, en Ligue des Champions, il faut pas des mecs qui vont à 2 à l'heure, c'est compliqué. C'est pareil. Quand tu regardes, si tu veux qu'on parle de ça, on peut en parler, mais la campagne de Ligue des Champions d'il y a 2-3 ans, là, Payet était clairement dans l'équipe, on s'est fait taper le cul, on a fait 0 points. Hein, donc franchement. Oui, comme je dis, pour la Ligue 1, ça reste encore bon. Mais pour la Ligue des Champions, c'est pas un Payet qui va nous sauver les matchs, hein, ça qu'on se le dise. Et à un moment donné, il faut un renouveau. Si on n'a pas de renouveau, on va encore faire 0 points. Imagine, on est dans la poule la plus chaude. Là, déjà, t'as le Real, t'as Liverpool en finale. Si on se tape entre guillemets Liverpool dans la poule, tu peux être sûr que tu finiras ni premier, ni deuxième. Donc, soit tu te fais des. Enfin, en prenant des points à le béton, tu te fais reverser en Europa League. Et encore, c'est pas sûr. Mais bon, c'est pareil, pour moi, on est dans une politique où c'est pas forcément bon, dans le sens où, genre, en fait, le propriétaire du club, McCourt, il est là pour prendre ses dineros, là, pour, on va dire, essayer de mettre l'équilibre des finances du club, pour qu'on soit pas trop déficitaire et perdant, mais au final, pour moi, Mercato, si on reste comme ça, il y aura rien, on va être bidon, certes, on finit deuxième, mais bon, quand tu vois quand même le Mercato de Lyon, certains joueurs lillois, les joueurs de Monaco et compagnie, je pense qu'au niveau du budget des joueurs qu'on a dans l'effectif, on peut s'estimer presque heureux d'être deuxième. Bah, sans nous casser du sucre sur le dos, hein, bien sûr, mais quand tu compares l'effectif de Monaco, tu vois, des mecs comme ça pour jouer les champions, je pense qu'ils sont un peu plus armés que nous pour, entre guillemets, pouvoir aller un peu plus loin quand même.
Lyon qui n'ira pas du coup en Coupe d'Europe, pareil, hein, on est très content que ces bâtards n'y aillent pas, mais à un moment donné, quand tu vois que ça recrute des mecs comme Boateng, certes, il est un peu plus aussi en fin de carrière, mais bon, pour moi, un mec comme Boateng qui a l'expérience du Bayern, Ligue des Champions et compagnie, franchement, c'est le genre de mec qu'il faut recruter, tu vois. Après, c'est pareil, tu vas me dire, ouais, mais le truc, c'est qu'on a plus beaucoup d'argent parce que du coup, avec cause des anciens présidents, c'est la merde, machin. On peut pas se permettre de recruter des mecs comme ça. Là, on a encore Strootman sur les bras et on le dégagera pas. Ça, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, on fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, t'as Tender, Tamelic, Gerson qui. De toute façon, pour l'instant, t'as pas mieux, donc tu le gardes. C'est très très bon pour la Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions, je pense que ça a peut-être un peu limite, ça manque un peu d'expérience. Guendouzi, je pense que avec Arsenal, ça n'a pas fait des grosses sessions européennes, mais mis à part en Europa League, mais je pense que ça peut nous dépanner. Harit, donc on va dire, on a à peu près la plateforme de devant. Si jamais l'autre enfoiré décide pas de faire El Loco, mais voilà, après c'est surtout derrière. Rongi pour moi n'est pas défenseur, c'est un milieu, donc du coup tu le mets en rotation peut-être avec Gerson et Guendouzi. Et puis Pep Gay, tu le laisses sur le banc. Le problème c'est surtout derrière. Tu mets qui dans les buts Mandanda en Ligue des Champions? Même si j'aime bien Papi Mandanda, ça reste être un peu light. Paul Lopez. On a vu ce que ça donnait en Europa League. Non merci, hein, on va éviter. Ligue des Champions, c'est un peu plus chaud que l'Europa League quand même. Même s'il n'a pas pris trop de buts, mais quand tu vois qu'on s'est fait quand même sortir avec très peu de points, et le problème c'est la défense. Ça, faut qu'on travaille parce que, ok, certes, tu gardes Saliba, tu perds Camara, voir exactement ce qu'on va faire. Donc après, tu me dis que Boateng et des carbos, ouais, physiquement c'est pareil, c'est un mec qui est voilà, mais je veux dire, je pense que tu le mets dans une défense à 3, un mec comme Boateng, pas encore nous faire du bien. Que voilà, après je veux dire aujourd'hui, enfin pour moi tu mets un Pérez dans une défense à 3 ou tu mets un. Ni pas ni Gay ni Rongier, ils sont pas défenseurs les mecs. Hein, donc après tu mets qui d'autre? Quand tu regardes ce que tu as sur le banc, c'est compliqué quoi. Après je dis pas hein, Lucas Perrin qui a été vendu à Strasbourg. Voilà quoi. Pareil, il a été formé au club, mais bon pour moi c'était pas non plus un mec qui peut s'imposer comme un grand, quoi. Bon, Maxime Lopez, c'est pareil, ça a tenu un temps, ça a été un joueur qui a été formé au club qui était bon, mais Camara, pour moi, c'est quand même une trempe au-dessus de Maxime Lopez. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme revirement? Ça, c'est une très bonne chose et une très bonne question, parce que là, on est impatient, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va prendre. Ouais. Bah, de toute façon, mon Pérez, je l'aime pas. Hein. Je le dis, je ne sais pas pourquoi ils ont été le prendre. Probablement parce que ça valait pas trop cher. Donc ils se sont dit un joueur de ce niveau, pas trop cher, pourquoi pas. Mais bon, après à voir. En tout cas, comme on dit, on récupère des millions. Le propriétaire va être content. Pablo, on va dire, ses risques ont porté payant parce que, très sincèrement, au début de saison, avec l'effectif qu'on avait, je me suis dit. Jouer le podium, ça va être tendu. À la fin, on a réussi à le faire. Nos problèmes, nos problèmes. Ça va être tendu. À la fin, on a réussi à le faire, mais franchement, c'était compliqué. Donc voilà. On a un peu parlé de transfert bah, avorté de Mbappé, hein. Du coup, qui a prolongé. Donc sur ça, on a fait le tour. Du coup, comme je disais, bah Metz malheureusement qui se fait aussi gruger sur la dernière journée à demi-match près, disons. Très très embêtant. Que du coup ils vont jouer la Ligue 2. Nancy en National. Donc Nancy Sedan en National. Metz en Ligue 2. Strasbourg qui reste en Ligue 1. Heureusement que Strasbourg c'est quand même un club qui est pas trop loin de chez moi, que je puisse aller voir les matchs de temps en temps, hein, parce que sinon c'est la merde! Puis pareil, à voir pour la saison prochaine, en espérant qu'il y ait beaucoup plus aussi, malgré la connerie de certains supporters dans les clubs et dans les stades. Avoir des matchs où on peut, entre guillemets, prendre des tickets dans les tribunes extérieures visiteuses, parce que franchement,
Je veux pas non plus crier un petit peu au scandale, mais bon, avoir voulu priver les supporters strasbourgeois au Vélodrome de faire le dépassement, je trouve ça un petit peu con, quoi. Après, certes, on a voulu mettre toutes les cartes de notre côté pour être deuxième, mais bon, à un moment donné, je pense pas que ce soit la méthode à proprement parler qui est la meilleure. Je pense que les mecs auraient fait le boulot, quoi qu'il en soit. Mais respecter les autres, je veux dire, si on veut se faire respecter, il faut aussi respecter les autres. Et ça, franchement, c'est pas. On n'est pas des niçois, on n'est pas des salopes, on n'est pas des putes comme ça. Après, comme je dis, je dis pas tout, tout le monde n'est pas pareil. Hein, mais... Certains supporters niçois, quand on voit les histoires qu'il y a eu depuis le début de saison, entre le jet de bouteille sur Payet et compagnie, plus ces débordements dans le stade de Ligue 1 et d'autres clubs et tout ça, franchement, ça laisse à désirer, quoi. Donc, du coup, voilà. Que dire de plus? Comme je dis, on a un peu parlé Ligue 1, on a un peu parlé football. On a parlé, bah du coup, on a parlé Metz, on a parlé Sedan, on a parlé OM. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Si je voulais regarder les confrontations entre guillemets, du coup, tête à tête, les derniers matchs pour entre guillemets confirmer ma théorie. Ouais, confrontation. Donc, du coup, comme je disais, on a gagné encore en 2021, donc 2-0 à Strasbourg. L'année dernière, on a fait match nul. On a gagné à Strasbourg seulement 1-0. Donc, comme quoi, ma théorie est plus ou moins confirmée. En 2020, on a gagné 3-1 à la maison. On avait fait 2-0 à Strasbourg. Et en 2019, encore 1-1. Et on avait perdu à domicile en 2018. On a fait 3-2, du coup. 3-2 en 2018, 2-0 à la maison. Ouais, c'est 3-3 en 2017, comme je dis, hein, ça a toujours été les matchs, on a perdu à domicile en 2008, donc c'est ce que je dis, ça a toujours été les matchs assez chauds hein, contre Strasbourg. 2-2, 1-0, 1-0, bon, après 2005, voilà, c'est une autre époque, mais ça pour dire que Strasbourg, c'est un petit peu le best noir, quoi, hein, franchement. Principal, ça a été de prendre les points clairement là, et voilà. Donc, du coup, ça fait une petite quarantaine de minutes. Je vois pas exactement de quoi on peut parler d'autre. Comme je dis, maintenant, on laisse cette année de Ligue 1 2021-2022 se terminer, se refermer, et puis on attend avec impatience du coup la prochaine saison, voir aussi les matchs de pré-saison de l'OM, comment que ça va se passer. Mais du coup voilà, malgré la fin de saison qui a été quand même moins bonne parce qu'on aurait préféré aller en finale de Conference League et potentiellement la gagner. Au revoir, qu'est-ce que Rotterdam va faire maintenant? Je sais plus exactement quand est-ce que le match va jouer. En tout cas, tout pareil, j'ai pas mis de maillot de Liverpool derrière, mais toute la chance et tout mon courage va pour Liverpool. Je croise des doigts pour eux pour la finale. Et puis là, on se dit une prochaine fois pour un match de l'OM. À voir sur quelle chaîne il serait. Si c'est des trucs en clair, il y a peut-être moyen que je stream sur Twitch. Pareil, on attend avec impatience les matchs de précision de l'OM, du coup. Bon, je pense que les joueurs ont besoin de souffler, hein, parce que physiquement, ça sentait, mais... Je leur souhaite plein de repos, de se remettre dedans, de se préparer pour la nouvelle saison. On attend un peu de voir du coup qu'est-ce qui va se passer au niveau mercato, savoir si le club va être vendu, et surtout savoir comment que tirage au sort de la Ligue des Champions et tout un tas de choses comme ça pour savoir exactement à quelle sauce on va se faire graille l'année prochaine. Donc du coup, moi sur ce petit live bref et rapide où on a petit peu parler football avec mon camarade Fuzzy. Je vous dis à plus tard, je sais pas quand. Là, il est 2h30 presque, donc je commence à être fatigué. D'ailleurs, ça se sent dans les commentaires. Mais moi, je vous dis probablement peut-être à demain pour un live. Là, on va passer une bonne nuit de sommeil. On va bien se reposer. Et portez-vous bien. Bon début de matinée pour ceux qui se lèvent, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher maintenant, bon dimanche, profitez bien, moi je vais probablement stream, je sais pas encore exactement sur quoi et quand et à quelle heure,
Mais on se retrouve tout à l'heure dans la journée. Donc, c'était Suichi. Portez-vous bien. Ciao. Peace.